I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have... Stepan. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund. Keys, please. I forgot about this. Back to the lighthouse. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! I knew this thing would come in handy. How did my keys get in here? Sérieusement? And no Chloe and Matt. Sérieusement, il se fout de moi? Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here. And your mom is away. I'll let her know that. Voilà. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast for Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Par contre, elle a tout changé. Elle a tout changé du futur. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends and I are Max. Never, Maxine. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Genre, elle est avec toutes ces pétasses qu'elle détestait tout à l'heure. He hooked up with Stella? Ah bah, c'est ça d'avoir changé le passé. Hein. Tu changes le futur. T'es vénère. This is totally fucked up.
What else have I changed? Chloe. Chloe. Ah ah, il est devenu chauffeur de bus. Quel loser. Évidemment, c'est la fin de l'épisode 3. What, les baleines? Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe, you have a visitor. Elle est en fauteuil roulant, c'est ça, non? Oh my god. My god. Voilà pourquoi il fallait pas changer le passé. Putain, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe dans cet épisode. Enfin, surtout la fin. Ça me ferait presque culpabiliser, tu vois. Succès déverrouillé, chaos théorie. Oh là là, mais les gens, ils sont trop honnêtes, ils ont laissé l'argent. Les gens ont embrassé Chloé, bon, je pense que... Public est majoritairement masculin, donc... ça me paraît normal, on a pris le parti de Chloé, ça me paraît normal. Il y a quand même 6% de personnes qui ont laissé le chiotte. Être blessé, et Anaïs en fait partie quand même, tu noteras. Mais c'était pas Kate ça. C'était Chloé. Chloé a le pistolet de David ou Franck a le pistolet de David. Je vois pas le rapport avec le... C'est là, c'est dans l'épisode précédent. C'était pas dans celui-là. Donc en quoi c'est une histoire de changement? Elle se serait tirée une balle si elle avait le flingue, Chloé, ou... Qu'est-ce qui se passe? Résultat de mes amis, vas-y, c'est pour comparer.
Fake, 0%, on laissait le chien de Franck être blessé, c'est pas vrai. Anaïs, elle l'a laissé. En même temps, je l'ai pas dans mes amis pour le moment. Et j'ai fait globalement les mêmes choix que la plupart de mes amis, mis à part pour l'histoire de vol de thunes. Les gens sont tellement hypocrites. Genre, ils laissent l'argent. Ah mais d'accord, mais il y en a d'autres. Lisa, c'est qui Lisa? Je ne sais même pas qui est Lisa. L'examen de Warren, je ne sais pas qui c'est. Ah mais tu me diras, c'est peut-être... C'est peut-être pas... Ah si, c'est donc Chaos Theory. La liste de la fête du Vortex Club. Sûrement que tu peux ajouter ton nom. Ouais, j'ai aidé Alissa. J'ai prévenu la SDF de quoi? Et j'ai pas pris de photo dans le passé. J'étais persuadé d'avoir pris une photo dans le passé, tu vois. Mais je sais même pas qui est cette Lisa. J'ai pas accès en plus, évidemment. Lisa est pas en vie. Ouais, vous avez aidé Warren, c'était changer la note. La liste de fêtes en est, c'était modifié dans le. C'était changer la liste des invités. Les répondeurs, ok. Alissa, ok. La SDF, je vois pas de quoi j'aurais dû la prévenir, la SDF. La photo, j'étais persuadé de l'avoir pris, mais voilà, toujours est-il que. Enfin, mais c'est d'autres choix parce que j'avais pas vu que. Il y en avait d'autres en fait. J'ai arrosé la plante. Je n'ai pas aidé Alissa. Vous avez effacé le lien. Vous n'avez pas été sympa avec Taylor. Accepté l'invitation de Warren. Vous avez écrit un message. Vous n'avez pas trafiqué les rails. Pour obtenir une invitation pour la fête du Vortex Club, vous avez aidé Warren, vous avez dénoncé David à Jefferson. Ok. Oh, gros stuff! C'est la chambre noire. Ah, écoute, du coup, on va s'arrêter là. Je sais pas si ça t'intéresse, mais d'ici à peu près un quart d'heure, 20 minutes, je vais faire l'épisode 4 de Game of Thrones. Donc si ça t'intéresse, bah reste branché sur les internets, comme dirait l'autre, ou alors reviens à ce moment-là. Mais puis bah sinon, tant pis, merci d'avoir été là. Et du coup, ouais, il y a du Game of Thrones qui suit derrière, et ce soir, il y aura du Evil Within. Je sais pas si ça t'intéresse ou pas, mais dans tous les cas, merci d'avoir été là. Allez. Ciao, à toutes, je veux dire, à toutes.